Mais des insultes, un mec avec qui tu partages le vestiaire, avec qui tu joues en équipe nationale, même si j'avais pas 100 sélections, je trouve que voilà, c'était abusé. Zidane, qui représente le Real Madrid, qui se fait sortir par le petit Monaco, ah, c'est sûr que là, il allait en prendre plein la tronche. Mais quand tu notes qu'après cette altercation avec moi sur le terrain, qu'il y a un changement d'attitude, que quasiment il ne calcule pas, et qu'après, tu le croises dans la vie privée, même pas, il vient te dire bonjour.